J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo que je n'ai encore jamais fait, enfin un thème que j'ai jamais fait, donc c'est la décoration. Donc ça, j'adore, franchement, j'adore la décoration de maison, la maison en général, quoi, pour l'embellir, etc. Donc du coup, je voulais vous partager mes petits achats que j'ai fait récemment. Donc j'ai acheté quelques trucs déco et utiles, etc. Je vais vous les présenter donc pas comme ça habituellement comme on fait d'habitude on va dire. Je vais plutôt vous les montrer là où ils sont en fait déjà à leur place où je les ai mises. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, je vous montre en premier mes petites tables de chevet que j'ai achetées sur le Bon Coin vraiment récemment. Bon, je vous les montre vite fait, du coup ça fait partie de la déco. Moi je trouve que c'est un petit meuble mais voilà, plus décoratif on va dire. Donc il y en a deux, donc faites pas trop gaffe au bazar qui est un peu autour. Voilà, donc j'en ai pris deux, enfin, c'était vendu la paire. Et donc voilà, sur le Bon Coin, donc d'occasion, elles viennent d'IKEA, franchement en super bon état. Je suis super contente de les avoir trouvées, vraiment elles sont en parfait état quoi. Donc voilà, une petite niche comme vous pouvez voir, le plateau au-dessus. Et là donc on a une petite porte voilà, où on peut ranger pas mal de choses. Donc moi vous pouvez voir qu'il n'y a rien franchement sur aucune des deux parce que pour l'instant j'ai pas trouvé de lampe de chevet. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai emménagé il y a peu et avant j'habitais dans un 30 mètres carrés, donc autant vous dire qu'on n'avait vraiment pas trop de place et on n'avait pas de table de chevet en fait. Donc du coup voilà, j'en ai profité pour en acheter. Je les ai trouvés donc à 30 €. À la base elles étaient à 35 mais j'ai réussi à négocier à 30 on va dire. Bon c'est pas beaucoup de moins mais quand même quoi. Donc ça fait environ 15 € la table de chevet, je suis super contente. Elles viennent de d'IKEA comme je viens de vous dire mais voilà, elles sont vraiment en super bon état, en bois clair comme ça. Donc maintenant on passe dans mon salon, tout à l'heure on était dans ma chambre, maintenant dans mon salon. J'espère que ça va aller niveau qualité de la vidéo et du son. Donc j'ai acheté ce lampadaire, toujours sur le Bon Coin, vraiment pas cher, à 20 €. Et il vient de chez IKEA à la base en fait. Et en neuf, il doit coûter une bonne quarantaine ou cinquantaine d'euros. Donc franchement, je suis trop contente. Surtout que c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà, l'abat-jour blanc comme ça, un petit peu plissé, il est vraiment super joli. Donc c'est en tissu. Hein. Et surtout, ce que j'adore, c'est la petite tirette à l'ancienne, vous pouvez voir, quand on allume comme ça. Oups, désolé pour les yeux. Et pour l'éteindre aussi, on tire. Donc voilà, après sinon c'est tout métallisé en fer comme ça. Et elle est super jolie, ça fait un peu... ça fait romantique, légèrement ancien, etc. Enfin, franchement j'aime beaucoup ce style. Ensuite, on se retrouve sur mon canapé. Donc j'ai pris ce petit coussin, vraiment trop mignon. Donc, il n'est pas très très grand, vous pouvez voir par rapport à ma main, c'est vraiment un coussin... un petit coussin quoi, je saurais pas vous dire vraiment les mesures, mais il est pas très très grand. Je l'ai trouvé à Tati pour 6 €, 5,99 €, donc vraiment pas cher pour un petit coussin comme ça, parce que honnêtement les coussins, moi dès que j'en vois des jolis, ils sont bien bien plus chers, hein, genre plus de 10 € quoi, ou alors il y a que la housse, alors que là c'est la housse et le coussin à l'intérieur quoi, le rembourrage. Donc voilà, il a une fermeture à l'arrière pour pouvoir enlever la housse, donc ça c'est vachement intéressant aussi. Et en fait comme vous pouvez voir, il a des genres de petits volants en fait tout le long, ça peut bouger quoi, ça peut se déformer en fait. Il est couleur mint en fait, un peu menthe, vert clair comme ça. Bon là on voit vraiment pas bien, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Alors désolée, on voit vraiment pas bien avec cette luminosité, voilà, mais je peux vraiment pas faire autrement. Mais voilà, il est un peu menthe comme on voit dans le pli là-bas, on voit un peu plus la couleur. Il est vraiment super joli pour 6 €. Toujours dans le salon, j'ai trouvé ce petit vase, donc bon je vous fais vraiment par pièce mais, et pas par magasin, donc vous retrouverez sûrement plus tard d'autres objets que j'ai achetés dans le même magasin, enfin bref. Mais voilà, ce petit vase je l'ai acheté à Zeeman pour 1,99 €, franchement il est pas cher et il est quand même, il est petit mais il est pas si petit que ça, hein, voilà. Donc excusez-moi pour mon doigt avec mon pansement vraiment moche, je me suis fait mal à mon doigt, voilà. Mais il est super joli, c'est un peu style origami, comme ça je pense qu'on appelle, style pliage comme ça, il est vraiment super joli, en rose pâle. J'espère que vous voyez bien les couleurs, donc voilà. Il est vraiment super sympa pour mettre une ou deux fleurs, voilà, super joli. Ensuite on passe dans la cuisine, alors j'ai trouvé ces deux petits verres trop mignons, donc pour l'été, bon là du coup on va bientôt passer en automne, mais je les ai achetés depuis quelques temps, que j'ai trouvé à Géant Casino, voilà la grande surface. je les ai trouvés à 1,50 € pièce, donc ils sont vraiment super mignons. Donc voilà, donc il y en a un avec
avec deux flamants roses et des petits pois noirs. Voilà, ils sont petits, mais c'est franchement suffisant. Et l'autre, c'est des ananas jaunes un petit peu fluo comme ça, et des petits pois orange fluo. Donc vraiment super mignon, et pour 1,50€ pièce, bon c'est un petit peu cher peut-être pour des verres, mais ils sont vraiment super mignons pour l'été. Ensuite, je passe à mon superbe grille-pain. Franchement, je l'adore. Alors, je l'ai trouvé à Lidl pour 20€. Oups, désolé pour l'ombre. Alors, je filme un peu avec la lumière de la pièce, donc c'est pas très pratique et un peu jaune, mais bon. Voilà, il est rose pâle. Il est un peu plus foncé en vrai quand même. Mais voilà, il est rose pâle et inox, voilà. Donc, c'est un peu le style rétro américain comme ça, avec deux emplacements pour mettre le pain, voilà, le petit truc comme ça pour mettre les tranches de pain. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction décongélation, réchauffage et annuler s'il y a un pain qui est coincé ou je ne sais quoi. On appuie et ça s'arrête direct. Et là, le bouton pour régler bah, le temps, en fait, le timing. Donc voilà, c'est de la marque Silvercrest. Donc on retrouve vraiment souvent à Lidl. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé en plus en rose. Parce que j'avais vu ce grille-pain en fait sur internet. Et j'avais vu qu'il y avait en rose et en menthe. Et franchement, en menthe aussi, il était vraiment super joli. Mais voilà, j'ai préféré quand même le rose. Et puis ça donne une petite touche de couleur dans la cuisine. Hein. Franchement, moi je trouve ça super joli. Donc il existait le grille-pain, la bouilloire et un genre de mixeur, en fait un petit mixeur, et il y avait plusieurs couleurs, voilà, en style rétro. Ensuite, toujours à Tati, enfin on revient à Tati du coup, j'ai trouvé ces petites boîtes trop trop belles. Enfin moi en tout cas c'est vraiment mon style, j'aime beaucoup les éléments, enfin des petites touches pastel dans la cuisine comme ça. Alors désolé d'avance si vous entendez ma chienne un petit peu chouiner là, elle est dans la même pièce que moi. Voilà, c'est des boîtes en métal en fait. Et couvercle en bois, en vrai bois, voilà, donc il y a marqué Sweet Kitchen. Et celle-ci est en menthe et celle-ci en parme. Voilà, elles sont vraiment trop mignonnes avec le petit couvercle en bois comme ça. Donc voilà, en vrai bois, et les petites boîtes sont vraiment super mignonnes. Bon, j'ai pas encore mis les trucs que je veux à l'intérieur, à part celle-ci où j'ai mis un petit fond de farine qui me reste dans un sachet. Hop, voilà. Et franchement, elles sont assez spacieuses, hein. On peut mettre pas mal de trucs dedans. Moi encore, je vais voir ce que je vais mettre exactement, mais voilà, ce sera sûrement farine, etc. Et je suis super contente de les avoir trouvées, elles étaient à 5,99€, il me semble. Ouais, c'était dans les 6€, il me semble bien, à Tati. Et il y avait vraiment plein d'autres trucs dans cette collection pastel comme ça, elle était superbe, j'avais envie de tout prendre. Alors ensuite j'ai trouvé à La Farfouille, il y a quelques temps maintenant, ces petites serviettes comme ça en papier, et elles sont vraiment trop belles, surtout pour l'été. Elles sont blanches avec des rayures beige et il y a plein de petits flamants roses comme ça. Franchement elles sont trop trop jolies. Bon c'est des petites serviettes jetables, hein, mais pour faire une petite déco sympa pour l'été ou quoi, franchement elles sont super mignonnes. Je sais plus tout le prix mais elles devaient être à moins de 2€, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et je galère pour rentrer celle-là. Donc voilà, super sympa pour une déco d'été. Ensuite, toujours dans la cuisine, j'ai trouvé ces deux petits torchons à noz. Voilà, je prévois déjà Noël. Non, mais comme, franchement, quand je les ai vus, bah, je pouvais pas passer à côté parce qu'ils sont vraiment super jolis. Bon, vous voyez mes pommes de terre à côté. Mais voilà, donc il y en a un beige comme ça, avec un petit liseré en dessous, enfin en bas, rouge bordeaux un peu. Et il y a une petite boule de Noël imprimée comme ça, blanche avec des petites décos, etc. Il y a marqué Jingle All the Way en rouge. Super sympa, super joli. Et puis il est tout beige, sinon tout le reste. Aussi, le truc sympa, c'est qu'il y a un petit truc comme ça pour l'accrocher. Et avec, parce que c'était un lot de deux, bah, il y en avait un autre, mais celui-ci tout rouge. Voilà, il est uni, rouge, tout simple. Bon, lui, je l'aime un peu moins. En plus, moi, j'aime pas trop le rouge. Enfin, surtout le rouge dans une cuisine ou quoi. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. En plus, le truc bizarre, c'est que lui, il n'y a pas de petits bouts là pour l'accrocher, comme je viens juste de vous montrer sur l'autre. Mais bon, voilà. Et donc, les deux, c'était 1,50. Donc, franchement, pour le prix, c'est pas très grave si le deuxième me plaisait pas trop. C'est surtout pour celui-ci. Et bon, après, ça me fait deux petits torchons comme ça. Super sympa pour Noël et pour 1,50 à noz. Ça vaut franchement le coup. Et pour finir, j'ai pris un petit pot pourri comme ça à Tati. Franchement, il est trop trop beau. Enfin, après, c'est sûr qu'il faut aimer les roses et le parfum de la rose parce qu'il y a le parfum aussi des roses, quoi.
Donc voilà, c'est des petites fleurs comme ça, des petites roses. Les couleurs, voilà, c'est vraiment dans le thème rose, rose plus foncé, pâle, etc. Donc il y a des roses entières et des petits pétales comme ça, désolé pour les reflets. Donc voilà, c'est la vie en rose, donc il y a marqué de la marque Santiflore. Donc c'est pas des vraies fleurs ou des vrais pétales, hein, c'est vraiment un papier, je crois, ou enfin, une matière de ce genre. Donc elles sont déjà comme ça, présentées comme ça, c'est super joli. Donc j'attends de trouver un petit, une petite coupelle ou quoi pour les mettre dedans pour que ça fasse plus joli, quoi. Mais voilà, sinon c'est trop trop joli, ça sent bon la rose en plus, parce que voilà, c'est le principe du pot pourri, hein, c'est que ça ait aussi une odeur. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc Atati, c'était dans les 2 euros et quelques. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petites décos, etc. Ce mode en fait de comment j'ai filmé, etc. J'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi ça en commentaire, laissez un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab. Je vous le répète à chaque fin de vidéo, mais ça me fait toujours plaisir et ça me montre en fait que vous aimez bien bah, mes vidéos et ça me fait toujours trop plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo, bye!